Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance, Père céleste, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta présence. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer pour ce que tu es, pour ce que tu fais, ce que tu feras. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur et notre Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci grand roi de l'univers pour ton amour, pour ta fidélité. Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous, glorifie ton nom et manifeste ta gloire encore. Alléluia, dans nos vies, dans nos familles, que tout soit pour ta seule gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, sois béni. Bienvenue maman Blandine, bienvenue maman Victoriana, bienvenue maman Marika, que Dieu vous bénisse abondamment, bienvenue maman Maria, soyez béni. Alléluia, et vous qui êtes là, il y en a des noms que je ne sais pas voir, hein. C'est pas pour autant qu'il y a des noms que je ne sais pas voir. En tout cas, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse, fasse du bien, n'est-ce pas? Nous bénissons Dieu qui nous accorde encore l'opportunité. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir prier, n'est-ce pas? Il est le Dieu tout puissant, nous le bénissons. Il y a toujours un chant que j'aime beaucoup écouter, n'est-ce pas, bien-aimé? Ce chant ici, n'est-ce pas? C'est un chant qui... J'aime beaucoup écouter ce chant. Vous savez, ce qui est le plus important, bien-aimé, c'est l'amour du Seigneur envers nous. Le Seigneur nous aime, hein? Il nous aime véritablement, bien-aimé. Il vous aime, il m'aime, il nous aime. Bonsoir, maman Alpha. Alléluia. C'est un chant que j'écoute, je l'écoute. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu, bien-aimé, c'est un amour incommensurable. Bien-aimé dans le Seigneur, que dire de plus? Oh Seigneur, merci pour ton amour. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Jesus, your love is too much, your excess love. Jesus, your love is too much, your excess love. Say, your love is kind, your love is patient. Say, you feel my heart, you feel my heart with so much peace and joy. Thank you, Jesus. Hey! Lord, come on, say, you make my life feel brand new. You are amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, your excess love.
Jésus, glory to my joy, to my joy, to my joy, excess glory. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. To my joy, excess glory. To my joy. Too much, oh, excess me. Alléluia. Hey. Too much, excess me. Y'all sound so good tonight. Come on, everybody say, too much. Too much excess load. Hallelujah. Undescribable, you are God. Too much excess load. Hallelujah. Too much, excess glory. Hallelujah. Too much, excess glory. Hallelujah. Too much, excess love. Too much, excess love. Too much, excess love. Hallelujah. Too much, excess love. Too much. Alléluia, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Bénissons le Seigneur pour son amour infini. Te bénissons notre Seigneur, notre Dieu, pour ton amour infini. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce et pour ta faveur, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus, merci grand roi de l'univers. Bien-aimés dans le Seigneur, voulons ce soir, n'est-ce pas, prier, n'est-ce pas, bien-aimés, lorsque les proches et amis deviennent des ennemis. Alléluia. Que faire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les proches et amis deviennent des ennemis? Ah oui, bien-aimé, les ennemis, ce n'est pas seulement ceux, n'est-ce pas, qui sont de loin. Parfois, nos proches et nos amis peuvent devenir nos ennemis. Eh bien, nous devons prier, bien-aimé, pour ça. Prions, bien-aimé, lorsque les proches et amis deviennent des ennemis. Alléluia. Bien-aimé, nous devons prier. Nous sommes dans un temps compliqué. N'est-ce pas? Le temps de la fin ici, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est un temps où là, Jésus-Christ l'a dit, n'est-ce pas, bien-aimé? Il dit que, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, des proches. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça nécessite la prière. Tu ne peux pas te dire, non, voilà, ben moi, de toute façon, c'est rien. Non, non. Lorsque les gens, bien-aimé, deviennent tes ennemis,
Ça veut dire, mais ils te haïssent. Ils ont de la haine vis-à-vis de toi. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans un environnement où, bien-aimés dans le Seigneur, la moralité, il y a une dépravation totale de la moralité. La dépravation des valeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les valeurs, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, sont en train d'être ternies. Les valeurs sont en train d'être, bien-aimés, changées. Les biens deviennent le mal devient le bien. Et on a du mal, bien-aimés, dans le Seigneur, à faire confiance à quelqu'un. C'est un monde où il devient difficile, bien-aimés, de faire confiance à quelqu'un. Nous sommes dans un monde où il devient difficile de nous confier à quelqu'un. Bien-aimés, à cause de cette dépravation généralisée. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit, n'est-ce pas? Le temps de la fin, bien-aimés, dans le Seigneur, dit, les gens seront égoïstes. Les gens seront fanfarons. Les gens seront ennemis, bien-aimés, ennemis de gens de bien. Bien-aimés, il dit, sache que dans les derniers jours, dans 2 Thessaloniciens 3, et dans 2 Timothée 3, excusez-moi, dans les derniers jours, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, bien-aimés, qui parle à Timothée, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ingrat, bien-aimé, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait de force, Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. On voit, bien aimé, la corruption morale. Même parmi les serviteurs de Dieu, même parmi les servants de Dieu, même parmi les hommes de Dieu, bien aimé, les gens sont moralement corrompus. Les gens sont moralement, bien aimé, dépravés. Ça montre, bien aimé, les caractéristiques du temps de la fin. Ce qui va caractériser, n'est-ce pas, les gens dans le temps de la, dans ce temps où nous sommes. Vous voyez, n'est-ce pas? Et donc, comment nous devons nous comporter? Nous devons d'abord nous éloigner, bien-aimés, de ces gens-là. Si les gens deviennent, bien-aimés dans le Seigneur, méchants, deviennent gras, irréligieux, bien-aimés, orgueilleux, tu dois t'en éloigner. Ne dis pas seulement au Seigneur, tu me protèges. Non, éloigne-toi de ces hommes-là. Faut s'éloigner. On peut vivre avec les gens tout autour, mais on est éloigné. C'est-à-dire qu'on le regarde de loin, on est attentionné. On est avec eux peut-être physiquement, mais on est éloigné. On baptise avec eux, n'est-ce pas, bien-aimé, dans les mêmes choses, même. Non, on est éloigné. Même si on est physiquement avec eux. Vous pouvez être, n'est-ce pas, dans votre travail avec des collègues. Ce qui vous réunissent, bien-aimé, c'est le travail. Hein. Vous ne partez pas ensemble au resto. Non. C'est le fait que, bien-aimé, le travail. Vous êtes là pour le travail. Vous travaillez, puis c'est fini chacun chez soi. Bien-aimé, la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et même parfois, bien-aimé dans le Seigneur, le proche. Lamentation. Et quoi? Elle est assise solitaire. On parle bien d'une ville. Mais il y aura même dans différentes, n'est-ce pas, nations. Dans différentes villes, il y aura des conflits, bien-aimé, les conflits même des nations. Et quoi? Elle est assise solitaire. Cette ville si peupleuse, elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les états, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit. Ses joues sont couvertes de larmes. Tous ceux qui l'aimaient, nul de la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Vous voyez, n'est-ce pas? Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans de temps où, bien-aimés, les gens deviennent infidèles dans leurs relations. L'infidélité, non seulement dans les couples, mais l'infidélité dans les relations. L'infidélité, bien-aimés, dans les amitiés. L'infidélité, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la fraternité. Il y a l'infidélité, bien-aimés. Les gens deviennent, ils ne sont plus fidèles. Même dans les nations, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, entre les vilains de l'ancien, les gens ne sont plus fidèles.
dans leur engagement, fidèles dans leurs propos, dans leurs paroles. Les gens ne tiennent pas leurs engagements. Les gens ne tiennent pas leurs paroles. Les gens, bien aimés, deviennent des gens à qui on ne sait plus leur faire confiance. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention en ce temps de la fin. Faisons très attention, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est plus, je ne suis pas en train de dire vous allez créer votre monde. Non. Mais nous devons savoir, nous vivons avec des gens pour qui, bien aimés, nous devons être prudents. Nous devons être prudents, bien aimés dans le Seigneur. Bien aimés, nous devons être prudents. Alléluia. Bien aimés, soyons prudents. C'est très important. Soyons prudents, bien aimés dans le Seigneur. Matthieu 10, le verset 16. C'est le Seigneur qui parle, bien aimés dans le Seigneur. Il nous appelle à la prudence. Je dis bien, la prudence est de mise. Il nous appelle à la prudence. En disant, faites attention. Il nous appelle à la prudence. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Donc, la douceur, c'est vrai, mais la prudence est de mise. Mais nous devons être prudents. Ça veut dire que nous devons être sages. Seigneur, donne-moi la sagesse de savoir me comporter avec les gens avec qui je vis. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Que je sois, que je garde ma douceur, mais que je sois sage. Mais les gens deviennent méchants. Ouais, mais c'est pas possible, oui. Non, non. Même le Seigneur, il a connu ces choses-là. Prophétiquement parlant, bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas? La parole disait, bien-aimé dans le Seigneur. Prophétiquement parlant. Je dis bien prophétiquement parlant. Vous voyez, le Seigneur parlait. Et celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Celui qui était mon ami, celui qui était proche de moi, qui mangeait mon pain, avec qui j'étais en paix, celui à qui j'ai fait du bien. Celui à qui j'ai partagé avec lui ce que j'ai partagé avec lui un habit, j'ai partagé avec lui le repas, je lui ai donné mon repas, avec qui on a partagé les habits. La Bible dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas naïf, sois seulement prudent et sage. Alléluia. Ne sois pas naïf, bien-aimé dans le Seigneur. Sois prudent et sage. Ne te laisse pas ouloulouloulou, kakaboué. Non, 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 non. Ouvre les yeux, sois prudent et sage. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la prudence. Je vous envoie comme des brebis au milieu. Comment est-ce que tu sauras celle-là est loup? Celle-là, c'est une louve. Comment est-ce que tu sauras? Tu ne sauras pas, bien-aimé. Ce n'est pas écrit sur le front. Tu ne sais pas voir ce qui se trouve dans le cœur de quelqu'un. Et parfois, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, peut être aussi, bien aimé, sous l'emprise satanique et démoniaque. Rappelez-vous de Judas. Lorsqu'il est venu, cette parole parle bien de Judas, n'est-ce pas? Lorsqu'il est venu te trahir le Seigneur. Alléluia. La Bible dit quoi, bien aimé? Satan entra en lui. Satan entra en lui. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Satan entra en lui. Jésus lui a dit, ben, ce que tu es venu faire, fais-le. Bien aimé, Jésus savait. Jésus connaissait, bien aimé, les cœurs de Judas. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus était avec Judas, bien aimé dans le Seigneur. Il connaissait le cœur de Judas. Il connaissait son cœur. Alléluia. Jésus savait qui il était. Mais Jésus était très calme. Alléluia. Jésus était très calme. Parce qu'il savait la mission de Satan, bien aimé dans le Seigneur, la mission de Judas, bien aimé dans le Seigneur, c'était de le trahir. Il était calme. Il savait lui faire du bien juste pour lui dire, Judas, pense au bien que je te fais. Tu me vends pour de l'argent, mais pourtant je te donne plus que l'argent. Je t'offre le salut. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, même si tu prends ton corps, tu lui donnes, il ne t'acceptera jamais. Oh non, tu vois, je te comprends, c'est pas grave. Écoute, prends mon cœur. Même si tu prends le cœur, tu sors ton cœur de la cage thoracique.
Tu dis, non, prends mon cœur pour que tu croies vraiment que je t'aime. Il y a déjà, bien aimé, malgré cela, bien aimé, ils voudront toujours te faire du mal. Allô? Sois prudent. S'ils sont laissés sous le contrôle du diable, tu ne les changeras pas. Tu ne les changeras pas, bien aimé dans le Seigneur. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Satan entra. Bien aimé, quand quelqu'un est sous l'emprise du diable, quel que soit ce que tu vas dire, s'il faut qu'il te suit, il va te suivre. S'il faut qu'il t'insulte, il va t'insulter. S'il faut qu'il te trahisse, il va te trahir. S'il faut qu'il te tue, il va te tuer. Il y a un scandale qui est passé dernièrement ici à Kinshasa. Une dame, ça s'est passé il y a quelques jours ici, cette semaine ici. Une dame qui avait son chauffeur, entre guillemets son chauffeur, semble-t-il, ce n'était pas son chauffeur, mais bref, il sortait avec la dame. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monsieur avec un de ses amis bien-aimés, ils ont pris cette dame, ils l'ont tué, ils l'ont étouffé, ils ont mis les sachets bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont étouffé, ils l'ont coupé, n'est-ce pas? Ils l'ont enterré dans la propre parcelle de la dame. On l'a enterré dans sa propre parcelle. Dans sa propre parcelle. Et les messieurs disent qu'ils avaient l'intention de prendre, bien dans le Seigneur, les documents de la parcelle pour vendre la parcelle. Mais comment vous tuez quelqu'un? Ça fait 5 ans, entre guillemets, qu'il était son chauffeur. Mais en même temps, il paraît qu'il sortait avec la dame. Soit, ça, moi, je m'en donne. Mais au moins 5 ans, il était proche de la dame. 5 ans, les gens voyaient cet homme. Il était pris en charge par la dame, bien dans le Seigneur. La dame donnait ce qu'il fallait donner, bien aimé dans le Seigneur, à cet homme. Mais malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, Satan entra en lui. Il a tué la femme, l'enterra dans sa propre parcelle. Malgré le bien que la dame était en train de lui faire. Hein. Même si c'était, bien aimé dans le Seigneur, entre guillemets, concubine, peu importe. Est-ce que ça mérite que tu puisses tuer quelqu'un, l'entrer dans sa propre parcelle? Même pas donner de la dignité à l'être aimé, qu'il soit enterré dignement. C'est ça, bien aimé, le temps de la fin. Lorsque quelqu'un, bien aimé, Satan entre dans la perte, il faut faire attention avec quelqu'un, bien aimé, lorsque le cœur de quelqu'un commence à tourner dans. Fais attention, fais gaffe, bien aimé, dans le Seigneur. Je nous appelle à la prudence. Je nous appelle à la sagesse. Je nous appelle au discernement. Yo, c'est un ami. Vous rencontrez quelque part dans un coin. Oh, ami, tu l'amènes directement chez toi. Tu le fais entrer dans ta chambre et au salon. Il entre partout. Oh, c'est un ami. Vous êtes rencontré. Oh, c'est rencontré une fois à la gare. Vraiment, il est sympa. Oh, il est sympa. Mais attendez, s'il vous plaît, attendez. Ni d'Adam ni d'Ève. Comme ça, là-haut, on s'est rencontré dans un. Oh, il m'avait invité. On s'est rencontré. Vraiment, c'est un gars bien. C'est quelqu'un de sympa. C'est une dame bien. Je ne parle pas d'un copain, d'une copine. Non. Sont sages, c'est temps de la fin ici. C'est pourquoi nous devons prier bien dans le Seigneur. Lorsque les gens tournent les talons contre nous, les gens qui tu as fait du bien, les gens avec qui tu étais en bon terme, les gens avec qui tu as prié, avec qui vous avez passé le temps de jeûne et de prière, les gens avec qui vous avez mangé, vous avez rigolé, vous avez blagué, mais lorsqu'ils tournent les talons contre vous, vous devez prier pour votre cœur, sinon ils peuvent faire rater le ciel. Priez pour votre cœur. Ah oui. La Bible dit quoi? Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Tu dois commencer d'abord par ton propre cœur. Je dis, mais tu dois commencer d'abord par ton propre cœur. Je dis, Seigneur, enlève l'amertume dans mon cœur. Parce que quand on a été trahi, on est blessé. Quand on a été trahi dans sa confiance, on est blessé. Il faut, bien aimé, nous avons la chair et le sang. Il faut pas mentir. Ouais, ça me fait rire. C'est faux. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter le déni. C'est un déni inutile. Tu as été trahi dans la confiance. Tu es blessé. Tu le reconnais. Et maintenant, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, viens, s'il te plaît. Seigneur, viens. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris mon cœur, Seigneur, fais quelque chose dans mon cœur. Parce que ta confiance a été trahie. Bien-aimé, ta fidélité a été trahie, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu te sens blessé, bien-aimé, dans ton amour propre. Jésus a connu ça. Il a été trahi par Judas. Jésus a été trahi par ses propres frères, bien-aimé. Les Juifs l'ont trahi encore, l'ont persécuté, bien-aimé, dans le Seigneur. Judas va les livrer.
Et ses frères vont les persécuter et les tuer. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur. Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Bienvenue dans le Seigneur. Tu dois prier pour ton cœur. Hein? Et prier aussi pour ceux-là, bienvenue dans le Seigneur. Qui sont ennemis de tous les hommes. Ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu. Pourquoi ils ne plaisent point à Dieu? Et qui sont ennemis de tous les hommes. Bienvenue dans le Seigneur. Je voudrais t'exhorter ce soir de prier pour ton cœur, d'être prudent. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi le discernement. Même si je ne connais pas le cœur de quelqu'un, mais c'est que je sois prudent dans ma manière de vivre. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a des gens aussi qui se sont livrés eux-mêmes. Manque de sagesse. Et Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Pourquoi nous ne voulons pas prendre au sérieux, bien aimé, cette parole prophétique du Seigneur? Pourquoi nous ne voulons pas la prendre au sérieux? Nous voulons croire que nous sommes plus sages et plus forts que Jésus lui-même, qui a été persécuté par ses propres frères. Et si on a fait ceci au bois vert, qu'arriverait-il au bois sec? Bienvenue dans le Seigneur. Soyons prudents. Demandons la sagesse à Dieu. C'est pourquoi nous allons bien-aimés prier ce soir. Oh Seigneur, accorde la sagesse à tes enfants. Accorde la sagesse et l'intelligence à tes enfants, Seigneur. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence que nous ne nous laissons pas berner par les paroles mielleuses, que nous ne nous laissons pas berner par les paroles entre guillemets gentil, non. Bienvenue dans le Seigneur. Prions. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Ouais, je vais les haïr aussi, c'est pas je les rejette. Non, tu dois les aimer. Bien aimé, c'est le test. Avec le Seigneur, c'est un test que nous voulons nous passons avec Dieu. C'est un test. Jésus continuait à aimer Judas, même s'il savait que c'est Judas qui allait le livrer. Il continuait à l'aimer. À lui faire du bien, morceau, il lui donne encore un morceau à la Sainte-Sainte. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En tout cas, si moi j'étais Dieu, je vous assure, avec mon cœur d'homme ici, c'est une façon de parler. Il y a des gens, à qui je n'allais pas donner, et la pluie et le soleil. Ils allaient être en hiver de moins 100. Je vous dis, moins 100. Là où ils vivent, j'aimais moins 100. Moins 100. Alors, ils quittent moins 100, n'est-ce pas? Ils quittent moins 100. Aujourd'hui, le lendemain, bien aimé dans le Seigneur, j'aimais 50 degrés, non, 60. Donc, je vais alterner. Moins 100, plus 60. Moins 100, plus 60. Je parle à la manière des hommes. Je parle à la manière des hommes. Parce que ce sont des gens qui ont fait du bien. Ce sont des gens à qui on a eu des projets, à qui on ne pense que du bien. Mais ce sont là qui nous trahissent. Ce sont là qui nous traînent dans la boue. Ce sont là qui nous insultent. Ce sont là qui nous critiquent. Ce sont là qui portent notre nom comme de la balayure auprès des gens. Que faire? Ben, il faut prier. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour prier. Prie pour ton cœur. Si tu ne pries pas pour ton, c'est un test. Si tu ne pries pas pour ton cœur, des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie. Tu dois prier pour ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Et que tu dis, Seigneur, maintenant, remplis-moi de l'amour, que je continue à les aimer. Même si je ne sais pas les approcher comme c'était avant, tu permettras peut-être à des occasions. Mais même de là que je puisse les aimer. Que je ne puisse pas émettre des pensées négatives à leur direction. Non, non, non. Dieu n'en veut pas. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Non. C'est un test.
C'est un test, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, nous allons prier. Prions lorsque les proches et amis deviennent des ennemis. Oh là là! La vie, c'est compliqué, oh! Compliqué. Nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Voilà, on va élever nos voix pour dire Seigneur, merci au Dieu de la vie, n'est-ce pas? Et nous allons demander, c'est Dieu, la bénédiction dans le Seigneur, nous allons le bénir d'abord, n'est-ce pas, pour son amour. Mais bénissons Dieu, parce qu'on dit, vous avez lu tout à l'heure, n'est-ce pas, il fait lever, n'est-ce pas, les soleils sur le bon, sur les justes et les injustes, sur le bon et sur les méchants. Donc, tout cela, Dieu les aime toujours, il les aime aussi. Alléluia. Il les aime. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bondissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour être appelé fils de Dieu, bien aimé, fils de Dieu, donc il faut aimer tes ennemis. Il faut, bien aimé, dans le sein, aimer tes ennemis. Tu dois maintenant bénir ceux qui te maudissent. Tu dois prier pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Pour que tu sois fils de Dieu. Pour que tu sois fille de Dieu. Oh, moi, je suis fille de Dieu. Moi, je suis la fille du roi des rois. Non. Mais hey, attention, quelle attitude as-tu vis-à-vis de la personne, n'est-ce pas, qui t'a trahi? Vis-à-vis de la personne avec qui t'a insulté, la personne avec qui t'a rejeté, qui t'a maltraité, qui t'a persécuté, la personne qui t'a maudit. Quelle est ton attitude vis-à-vis de cette personne-là? C'est ça le gros problème. C'est un test. Alors nous allons élever nos voix, nous allons bénir les dieux de la vie, n'est-ce pas? Nous allons bénir notre Seigneur pour son amour, n'est-ce pas, bien-aimé? Il fait lever le soleil, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Or, si tu veux être son fils, tu dois avoir son cœur. Donc, tu dois faire du bien aux méchants. Tu dois leur faire du bien. Voilà, béni dans le Seigneur. Bénissons Dieu, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur, pour son amour, n'est-ce pas, dit Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que heureusement que Dieu nous aime. Même si les gens nous trahissent, même si les gens nous traînent dans la boue, mais heureusement, Dieu nous aime. Nous allons élever nos voix pour bénir Dieu, n'est-ce pas, pour son amour. Élevons-nous, élève la voix, n'est-ce pas, commence à prier. Commence à prier, Seigneur, merci pour ton amour d'amour. Merci, Seigneur, pour ton amour qui est là. Je sais que tu m'aimes, même si les gens me rejettent, même si les gens ne m'aiment pas, même si les gens sont infidèles, même si les gens me persécutent, même si les gens me maudissent, mais je sais, j'ai la certitude, c'est que je sais que tu m'aimes. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Commence à venir, le Seigneur, n'est-ce pas, venir pour son amour. Alléluia. Commence à venir, n'est-ce pas, le Père Céleste pour son amour. Lui qui a livré son fils unique à la croix, n'est-ce pas, pour que toi, tu sois sauvé. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu, pour cet amour qui va au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Tendre Père, merci pour ton amour dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour ton amour, maître du ciel et de la terre. Merci pour ton amour. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous te disons infiniment merci pour ton amour éternel. Les dieux tout-puissants. Merci pour ton amour au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel Dieu tout-puissant au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Je vais maintenant prier pour le Seigneur. Saint-Esprit, remplis mon bien-aimé. Le Saint-Esprit répand l'amour du Père dans nos cœurs. Oui, c'est Saint-Esprit, remplis mon cœur de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur de l'amour de Dieu. Donne-moi d'aimer mes ennemis, de prier pour eux ce soir. Remplis mon cœur de l'amour de Dieu, s'il te plaît, Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, tu ne prieras pas. Et les bons, on va venir. Commence à demander au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de répandre, n'est-ce pas, de te oindre, n'est-ce pas, de te couvrir, de te remplir, n'est-ce pas. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de l'ébauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, répand l'amour du Père dans mon cœur, au nom puissant de Jésus.
l'esprit de grâce et de faveur. Nous te bénissons encore ce soir, ô cher Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Merci de combler nos cœurs de l'amour du Père. Merci de nous remplir de l'amour de Dieu. L'esprit de grâce et de faveur. L'esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Saint-Esprit, remplis nos cœurs de l'amour de Dieu. Remplis nos cœurs de l'amour du Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, inonde nos cœurs de l'amour du Père. Inonde nos cœurs de l'amour céleste. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens inonder les cœurs de mon frère, les cœurs de ma sœur. Inonde nos cœurs, cher Saint-Esprit de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta vie. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence tous les jours dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de nous inonder de ta présence. Merci de nous inonder de ta vie au nom puissant de Jésus. Comble nos vies de ta présence. Inonde nos vies de ta présence au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de nous inonder, de nous combler de toi au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange d'adoration. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de toi au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ta présence au nom puissant de Jésus. Comble-nous de ta présence, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prier pour le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, guéris. Alléluia. Seigneur, tu guéris mon cœur. Alléluia. De la déception, bien-aimé, de l'infidélité, du manque de confiance dont, bien-aimé, dont tu as été l'objet, n'est-ce pas, bien-aimé, vis-à-vis des gens. Bien-aimé, que Dieu guérisse. Saint-Esprit, guéris mon cœur. Guéris les blessures dans mon cœur. Bien-aimé. Tu as été blessé, oui, c'est vrai. Tu as été blessé, c'est vrai. Peut-être par le rejet, par la haine, par la jalousie, par la méchanceté, par les insultes, bien-aimé. Tu as été blessé, peu importe la blessure. Tu vois, Saint-Esprit, guéris mon cœur ce soir. S'il te plaît, guéris-moi, bien-aimé. Si tu as blessé aussi quelqu'un d'autre, prie, n'est-ce pas, pour la vie, Seigneur. Guéris toutes les personnes, alléluia, que j'ai eu à blesser aussi. Alléluia. Élevons nos voix, bénis dans le Seigneur. D'abord, nous allons prier pour nous-mêmes. D'abord pour nous-mêmes, pour toi-même, pour nous-mêmes. Alléluia. Prions pour nous-mêmes, bénis dans le Seigneur. Tendre Père, nous voici devant toi, Maître du Ciel. Merci, Seigneur, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous invoquons le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce dans nos cœurs, Seigneur. Viens, s'il te plaît. Guéris les blessures dans nos cœurs, les blessures de la trahison, les blessures du rejet, les blessures, c'est notre Dieu, du manque de confiance, les blessures de la haine, les blessures de la jalousie. Notre, c'est notre Dieu, guéris toutes les blessures dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Guéris les blessures dans nos âmes, Maître du ciel et de la terre. Merci pour la puissance de la guérison. Nous te bénissons, nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel. Merci pour la puissance de la guérison. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur notre Dieu, guéris nos cœurs. Guéris les cœurs de mon frère. Guéris les cœurs de ma soeur. Guéris nos cœurs, tendre Père. Guéris mon cœur, Maître du Ciel. Seigneur, je te présente mon cœur. Mon cœur est devant toi, tendre Père. Tu connais ce qui se trouve dans mon cœur, Maître du Ciel. Vis-à-vis de tous ceux qui m'ont trahi, tous ceux qui m'ont blessé, tous ceux qui m'ont persécuté, tous ceux qui m'ont opprimé, tous ceux, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui manquer la confiance. Tendre Père, je prie que tu guérisses mon cœur, que tu guérisses mon cœur, s'il te plaît, Dieu de grâce, Dieu de faveur, j'implore ta miséricorde, guéris mon cœur, oh cher Saint-Esprit, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mon cœur blessé, guéris mon âme blessée, oh le puissant de Jésus, tu connais les blessures dans mon âme, tu connais les blessures dans l'âme de mon frère, dans l'âme de ma sœur, tendre Père, tu connais nos blessures, nous prions pour la puissance de la guérison. Cher Saint-Esprit, c'est par tes maîtres, c'est Jésus que nous avons été guéris. Merci de nous guérir au nom puissant de Jésus. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous trouvez du repos. Seigneur notre Dieu, nous voici au pied de la croix pour trouver le repos, le repos, le repos, le repos après avoir été trahis, le repos après avoir connu l'infidélité de ceux à qui nous avons aimé, le repos vis-à-vis de ceux qui nous ont rejetés, le repos vis-à-vis de ceux qui nous ont trahis, vis-à-vis de ceux qui nous ont jalousés, le repos, Seigneur, vis-à-vis de ceux qui nous ont enseigné notre Dieu, alléluia, qui nous ont manipulé, le repos éternel de notre Dieu. Nous prions pour le repos dans nos cœurs. Merci Seigneur notre Dieu pour la guérison de nos âmes. Alléluia, le sang qui a été versé à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bien-aimés prier pour ceux de nos familles.
Bien-aimés, ceux qui nous sont proches, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons, bien-aimés, prier que Dieu guérisse les cœurs de ceux-là, peut-être que nous avons aussi blessé, nous avons trahi, à qui nous avons peut-être manqué la confiance, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Ceux qui peut-être pleurent à cause de nous. Ah oui, bien-aimés, dans les autres. Parfois, nous avons aussi fait du mal aux gens. Nous allons, bien-aimés, pour le Seigneur, s'il te plaît, guéris les cœurs de tels, guéris les cœurs de tous ceux qui nous ont bien-aimés. Parfois, on peut blesser sans le savoir. Tu as blessé quelqu'un sans le savoir. Oh, que le Saint-Esprit, le Seigneur, vienne nous. Donc, guéris les cœurs de tous ceux-là qu'on a blessés sans nous rendre compte que nous les avons blessés. Alléluia. Élève-la, oui. Commence à prier, que Dieu guérisse les cœurs de tous ceux-là qui ont été blessés ou que nous avons blessés ou qui sont blessés maintenant là. Éternel notre Dieu, nous transportons devant ton trône de la grâce tous nos bien-aimés que nous avons eu à blesser. Éternel notre Dieu, tu les connais, Seigneur. Et tu connais quel genre de blessures que nous les avons infligées. Oh, Maître du ciel et de la terre, nous proclamons la puissance de la guérison. Guéris leur âme, guéris leur cœur, guéris leur être tout entier, guéris leurs pensées. Notre Seigneur, notre Dieu, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Merci pour la puissance de la guérison. Dieu Tout-Puissant, guéris. Notre Seigneur, notre Dieu, guéris les cœurs. Guéris les cœurs de tous ceux-là que nous avons blessés. Qu'ils soient frères, qu'ils ne soient pas frères. Qu'elles soient sœurs, qu'elles ne soient pas sœurs. Qu'ils soient voisins, qu'ils soient, Seigneur, notre Dieu, passants. Ou que nous avons rencontrés comme par hasard une fois quelque part. Mais qui ont gardé une mauvaise image parce que nous les avons blessés sans le savoir. Tendre Père, nous te demandons de les guérir. Seigneur, notre Dieu, guéris-le. Maître du Seigneur, nous proclamons la puissance de la guérison. Guéris-le, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la guérison de leurs pensées, la guérison de leur cœur, la guérison de leur âme, la guérison de leur être tout entier. Merci pour la puissance de la guérison au nom puissant de Jésus-Christ, l'éternel Dieu qui guérit. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Bienvenue, nous allons, n'est-ce pas, bienvenue, prier. Alléluia. Tu vas dire, c'est notre Dieu. Alléluia. Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'aimer mes ennemis. Saint-Esprit, remplis-moi le cœur, remplis mon cœur de l'amour pour aimer mes ennemis. Saint-Esprit, aide-moi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est un impératif, bienvenue dans le Seigneur. C'est une obligation, c'est un ordre. Alors tu vas dire, Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi d'aimer mes ennemis. Saint-Esprit, aide-moi à aimer mes ennemis, Saint-Esprit. Même si moi-même, humainement parlant, je n'ai pas de force, j'ai besoin que tu me fortifies à aimer mes ennemis. Alléluia. À aimer mes ennemis. Alléluia. À bénir, à aimer mes ennemis. Alléluia. Et l'amour d'avoir nos ennemis. L'amour de nos ennemis. Élève-la, n'est-ce pas? Comment ça prie, n'est-ce pas? Que Dieu t'aide, que Dieu, le Saint-Esprit te fortifie, n'est-ce pas? Aimer tes ennemis, bien dans le Seigneur. Bien aimé, tes ennemis, bien aimé, tes ennemis, bien aimé. Prie, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu te donne d'aimer tes ennemis. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Je prie pour mon cœur. Seigneur, donne-moi d'aimer mes ennemis. Donne-moi, Seigneur, d'aimer ceux qui m'ont, alléluia, ceux qui m'ont haï, ceux qui me haïssent, ceux qui ont de la haine vis-à-vis de moi, ceux qui ont de la haine, tendre Père, donne-moi de les aimer, au nom puissant de Jésus, ceux qui m'ont trahi, donne-moi de les aimer, au nom puissant de Jésus, donne-moi d'aimer mes ennemis, je te bénis, Maître du ciel et de la terre, merci de me donner d'aimer mes ennemis, au nom puissant de Jésus, de les aimer comme toi tu les aimes, de les aimer comme toi tu les aimes, oh Jésus-Christ, tu as aimé, à la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus-Christ, tu as pardonné, ce que tu me donne d'aimer mes ennemis, donne-moi d'aimer mes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ, de les aimer, c'est notre Dieu, de les aimer, d'aimer mes ennemis, d'aimer mes ennemis, de les aimer au nom puissant de Jésus, donne-moi d'aimer mes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce et pour ta faveur, merci pour ton amour et pour ta fidélité, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant pardonner, n'est-ce pas, à tes ennemis, Seigneur, je pardonne à tous mes ennemis. Bien-aimé, tu vas pardonner à tous tes ennemis. Tu vas pardonner à tous ceux qui te maudissent. Tu vas pardonner à tous ceux qui te maltraitent. Tu vas, bien-aimé, pardonner à tous ceux qui te persécutent. Tu vas les pardonner, Seigneur. Je les pardonne. Alléluia. Je les pardonne, Seigneur notre Dieu. Alléluia.
Élève-la, n'est-ce pas? Commence à pardonner. Commence à pleurer. Commence à pardonner. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi les cœurs de pardon. Saint-Esprit, que tu donnes à mon cœur, les cœurs de pardon, de pardonner nos ennemis, de pardonner ceux qui nous maudissent, de pardonner ceux qui nous haïssent, de pardonner alors ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Donne-nous de les pardonner au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci de nous donner, de les pardonner, de nous donner, de les pardonner au nom puissant de Jésus. Un cœur de pardon que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur, que tu donnes à l'église, les cœurs de pardon, que nous puissions pardonner nos ennemis, que nous puissions pardonner ceux qui nous maudissent, que nous puissions pardonner ceux qui nous haïssent, que nous puissions pardonner ceux notre Dieu, alléluia, ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, que tu nous donnes de les aimer, de les pardonner au nom puissant de Jésus. Tendre Père, donne-moi d'aimer mes ennemis au nom puissant de Jésus. Je te loue, Maître du Seigneur de la terre, je te glorifie, grand roi de l'univers, alléluia, bienvenue dans le Seigneur. N'est-ce pas, bien-aimé, nous allons bien-aimé prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour ceux qui nous maltraitent et qui nous payent. Nous allons prier pour leur cœur. Que Dieu touche leur cœur et que Dieu se révèle à eux, à nos oppresseurs, bien-aimé, à nos ennemis, bien-aimé. Nous allons prier pour nos ennemis, bien-aimé. Que Dieu touche leur cœur, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu touche leur cœur. Que la lumière du Saint-Esprit les éclaire, bien-aimé. Qu'ils reçoivent le salut de Dieu. Mais nous allons prier pour les saluts de nos ennemis. Et nous allons bien-aimé prier pour ceux qui ont les saluts, n'est-ce pas, mais. Qui nous oppresse, qui devient nos ennemis, bien dans le Seigneur. Mais nous allons prier pour le nom puissant de Jésus. Et le volant, n'est-ce pas, bien aimé. Comment ça prie, n'est-ce pas, bien aimé. Tendre Père, nous transportons de notre Dieu tous nos persécuteurs, n'est-ce pas. Tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui nous oppressent, nous les transportons devant ton trône de la grâce, Maître du ciel et de la terre. Nous te supplions de toucher leur cœur. Nous invoquons ton nom dans leur vie, tendre Père. Que les saluts viennent dans leur cœur, au nom puissant de Jésus. Que les saluts viennent dans leur vie. Que ta lumière les éclaire. La splendeur de la gloire de l'évangile, alléluia, se révèle à eux, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci de toucher nos ennemis, touche le cœur de nos ennemis, touche le cœur de ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent. Au nom puissant de Jésus, nous prions, grand roi de l'univers, que tu te révèles à eux, que tu touches leur cœur, que tu te révèles à eux. Au nom puissant de Jésus, merci pour la puissance, alléluia, du salut dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, lève-toi. Cher Saint-Esprit, révèle-toi à nos ennemis, révèle-toi à nos persécuteurs, révèle-toi à nos oppresseurs, révèle-toi à ceux notre Dieu, à ceux qui nous maudissent, révèle-toi au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu te révèles au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi, tendre Père, révèle-toi et dis-le que tu le fasses du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, révèle-toi à nos persécuteurs, révèle-toi à nos oppresseurs, révèle-toi à nos ennemis, que tu leur fasses du bien. Oh, tendre Père, merci de te révéler. Fais-leur du bien au nom puissant de Jésus. Fais du bien à mes ennemis, fais du bien à mes oppresseurs, fais du bien à mes persécuteurs. Tendre Père, révèle-toi à eux et fais-leur du bien au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu as pris l'espoir pour ton cœur. Tu as dit, Seigneur, enlève l'amertume, enlève la colère, enlève la haine dans mon cœur. L'amertume, la colère et la haine dans ton cœur. Invoque le sang de Jésus. Dis, Seigneur, je prie pour mon cœur. Enlève la haine, enlève l'amertume, enlève la colère, enlève l'esprit de vengeance. Seigneur, enlève, Seigneur, délivre mon cœur. Parce que tu as été trahi, bienvenue dans le Seigneur. Parce que tu te retrouves face à l'infidélité, n'est-ce pas, des gens, la haine, l'infidélité des gens, là, le manque de confiance, bienvenue dans le Seigneur. Et ton cœur a été blessé, bienvenue. Tu as dit, Seigneur, guéris mon cœur. Alléluia. Guéris mon cœur. Enlève, n'est-ce pas, l'amertume, la colère, la vengeance, la haine dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, que le Saint-Esprit, que le Dieu guérisse ton cœur au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, proclame la guérison, n'est-ce pas, de ton cœur, n'est-ce pas, de ton âme, tendre Père. Nous proclamons la puissance de la guérison, c'est notre Dieu. Merci de guérir mon cœur au nom de Jésus. Guéris, Seigneur, guéris mon âme, guéris-moi de l'amertume, guéris-moi, tendre Père, de la colère, de la haine, de l'esprit de vengeance. Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon âme au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Je proclame la puissance de la guérison. Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus, les dieux grands et redoutables. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus, les dieux qui guérit, l'éternel Dieu qui guérit, guéris les cœurs de mon frère, les cœurs de ma sœur, au nom puissant de Jésus, enlève l'amertume dans les cœurs de mon frère, enlève la colère, enlève l'esprit de vengeance, enlève, Seigneur notre Dieu, la haine, enlève tendre
opère là. Alléluia. Enlève toute souffrance. Seigneur, guéris les cœurs. Guéris nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu me guéris de toute souffrance. La souffrance de la trahison, la souffrance du manque de confiance, la souffrance du rejet, la souffrance de la jalousie. Tendre Père, oh, guéris s'il te plaît. Guéris nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la puissance de la guérison de nos cœurs. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prier pour dire, Seigneur, donne-moi d'être prudent, donne-moi d'être sage. Alléluia, alléluia, donne-moi d'être prudent, d'être sage au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être prudent, donne-moi d'être sage. Je ne voudrais pas être naïf. Alléluia, je vous envoie comme des, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la sagesse et l'intelligence de savoir me comporter au milieu de mes ennemis. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Allez, Seigneur, donne-moi la sagesse et la paix. Donne-moi de dominer au milieu de mes ennemis. Alléluia, donne-moi la supériorité sur mes ennemis. Alléluia. Bénis dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas élever ta voix, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas prier que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, bien-aimé, de savoir te comporter, n'est-ce pas, au milieu des méchants, au milieu des oppresseurs, des ennemis, n'est-ce pas, que Dieu te préserve, dis Seigneur, préserve-moi, accorde-moi la sagesse et l'intelligence, et préserve-moi, Seigneur. Bien-aimé, que Dieu préserve, n'est-ce pas, celui de ta famille. Élève la voix, n'est-ce pas, bien-aimé, commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé, commence à prier pour toi-même, la sagesse et l'intelligence. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, tendre Père, c'est toi qui nous as dit, tu nous envoies comme des brebis au milieu de loups, que tu nous demandes d'être prudents, d'être sages, d'avoir du discernement, de ne pas nous laisser entraîner par les attitudes, les humeurs des gens, mais au contraire, d'avoir les yeux fixés sur toi. Saint-Esprit, donne-nous de la sagesse. Saint-Esprit, accorde-nous le discernement, le discernement des esprits, que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par des attitudes, par des humeurs apparemment gentilles, mais pourtant nous sommes face aux faux frères, aux faux sœurs, aux faux amis. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous. Alors, donne-nous la sagesse et l'intelligence. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Accorde-nous le discernement, cher Saint-Esprit. Alléluia. De savoir vivre au milieu de nos ennemis. De savoir vivre au milieu des méchants, au milieu des oppresseurs, au milieu des persécuteurs, au milieu de ceux qui mourissent. Donne-nous l'intelligence et la sagesse de savoir vivre au milieu d'eux. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Éternel, notre Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, tu dois prier l'espoir du Seigneur, donne-moi de la douceur face à mes ennemis, face à mes persécuteurs, face à mes oppresseurs. Donne-moi de la douceur, malgré cela que je garde toujours la douceur, de savoir leur répondre correctement, de savoir leur faire du bien. Alléluia, parce que parfois, bien-aimé, face à ceux qui t'ont trahi, tu deviens dur. Simple comme les colombes. Prie pour ton cœur. Seigneur, donne-moi de la douceur. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Aide-moi, Saint-Esprit, à être prudent, mais à être doux. Alléluia. Élève-la, bien-aimé. Commence à prier pour ton cœur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Prie pour le cœur de ton frère et de ta sœur aussi. Tendre Père, merci. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous appelles à la prudence. C'est vrai, oui, mais tu veux que nous soyons aussi doux. Alléluia. Face à nos ennemis, face à nos persécuteurs, face à nos oppresseurs, tu nous appelles à la douceur au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, merci de nous aider à garder cette attitude. Alléluia. Des douceurs au nom puissant de Jésus. L'esprit de grâce et de faveur. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous, cher Saint-Esprit, à être simple, à être doux au nom puissant de Jésus. L'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange, d'adoration, nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous, cher Saint-Esprit, à garder la bonne attitude au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, nous proclamons ton rien, ton autorité. Remplis nos cœurs de ta présence, cher Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de ta douceur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes oppresseurs, délivre-moi, Seigneur notre Dieu, de mes ennemis, de mes oppresseurs, délivre-moi, Seigneur notre Dieu, des hommes méchants,
Alléluia. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, et donne-moi des dominos au milieu de mes ennemis. Alléluia. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, notre Dieu, préserve-moi au milieu de mes ennemis et donne-moi des dominés. Il a dit, il va laisser, bien-aimé, les blés et l'ivraie croître ensemble. Tu vas maintenant prier pour Seigneur, préserve ma vie. Seigneur, préserve ma vie, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Préserve ma vie. Préserve ma famille, Seigneur. Face aux oppresseurs. Face aux ennemis. Et donne-moi des dominos au milieu de mes ennemis. Alléluia. Et les voix, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Maître du ciel et de la terre, nous proclamons ta victoire. Les dieux de victoire, merci de te révéler, de te manifester. Donne-nous tendre paix. D'avoir, d'être, c'est vrai, prudent. D'être, c'est notre Dieu. Alors, protège-nous au milieu de nos ennemis. Préserve-nous, grand roi de l'univers. Préserve-nous de la méchanceté de nos ennemis. Préserve-nous de la haine, de la jalousie, de nos persécuteurs, de nos oppresseurs. Préserve-nous, garde-nous tendre paix. Garde l'éternel notre Dieu. Que le sang de Jésus nous recouvre, nous protège contre la haine, la méchanceté de nos persécuteurs, la haine et la méchanceté de nos oppresseurs, la haine et la méchanceté de nos ennemis. Seigneur notre Dieu, préserve-nous, que le sang de Jésus nous préserve, nous couvre au nom de Jésus. Donne-nous des dominos au milieu de nos ennemis. Tendre Père, délivre-nous de nos oppresseurs, délivre-nous de nos ennemis, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, de ceux qui nous persécutent, délivre-nous de ceux qui nous maltraitent, au nom puissant de Jésus. Les dieux de la délivrance, délivre mon frère, délivre-nous de nos ennemis, délivre-nous de nos persécuteurs, délivre-nous de nos oppresseurs, délivre-nous tendre paix de ceux qui nous maudissent. Merci pour la puissance de la délivrance. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour la délivrance. Nous proclamons la victoire de l'homme de la croix. Délivre-nous, c'est notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père, merci pour ta victoire. Et dans le ciel, tu vois, n'est-ce pas, Saint-Esprit, que mes ennemis soient mis à nu. Élève-la, Saint-Esprit, merci de mettre mes ennemis à nu, de mettre mes persécuteurs, mes oppresseurs, qu'ils soient mis à nu, qu'ils soient mis à découvert. Révèle-nous, tendre Père, révèle les choses cachées, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui préparent à nous faire du mal. Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées, au nom puissant de Jésus. Merci de te révéler à nous. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Les dieux de victoire. Merci, cher Saint-Esprit, au puissant de Jésus-Christ. Bénis dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, pour annuler tout. Alléluia, la puissance de la mort. Parfois, bien aimé, il planifie la mort. Tu vas briser, bien aimé, la mort prématurée. Tu vas détruire tout le plan, n'est-ce pas, bien aimé. Le plan des accidents, le plan de la mort. Tu vas briser la puissance de la mort. Le plan des accidents et autres. Tu vas briser la mort en cette fin d'année. Tu vas briser la puissance de la mort. Alléluia, proclamons trois fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous proclamons ta victoire ce soir au milieu de nous. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous nous lèvons contre la mort prématurée. Nous brisons la puissance de la mort. Nous proclamons la victoire de l'homme de la croix. Que la mort soit brisée, soit neutralisée. Tendre Père, nous refusons la mort prématurée. Nous brisons les esprits des cimetières, les esprits des morts. Qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus. Nous brisons les esprits des morts au nom de Jésus. Nous brisons les accidents. Notre Seigneur, notre Dieu, nous brisons la puissance des accidents. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Que la mort soit neutralisée. Que la mort soit brisée. Au nom puissant de Jésus, nous te proclamons, roi. Nous confessons que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci, tendre Père. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde, nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Maître du ciel et de la terre, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Alléluia. Lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, prions pour maman Fifi et Maxime, n'est-ce pas, bien-aimés? Maman Fifi qui est malade, que la main de Dieu soit sur maman Fifi et Maxime qui est en prison, que Dieu se révèle, continue à se révéler à lui. Élève-nous, attendre, Père, nous transportons maman Fifi devant ton trône de la grâce. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que la puissance de la guérison, alléluia, la recouvre, le puissant de Jésus. Souviens-toi, tendre, Père, de Maxime qui est en prison et t'entamer les grâces sur Maxime. Nous proclamons ta victoire dans la vie de Maxime, au nom puissant de Jésus. Merci de guérir maman Fifi. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont malades. Tendre, Père, de par le monde, nous le recommandons à ta grâce.
grâce. Touche-le dans leur santé, au puissant Jésus. Tendre Père, que ceux et notre nous nous lèvons contre le coronavirus. Nous brisons le coronavirus et notre autour de nous. Au nom puissant Dieu, que tous ceux qui sont atteints du coronavirus, nous proclamons la puissance de la guérison dans leur corps. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur, alléluia. Commence à demander l'espoir, la couverture du sang de Jésus. Alléluia. Élève-toi avec nous contre les contre-attaques après ces temps de prétendre. Père, merci pour la couverture du sang qui a été versée à Golgotha. Que toute contre-attaque soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour la puissance de la guérison. Merci pour le sang versé à la croix. Que toute contre-attaque soit brisée, soit neutralisée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez bénis. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur.